fils, il est où maintenant? Ah, qui sait? On ne veut même plus rien savoir de lui. Espérons qu'il est parti. Hé, Déborah, quand on parle du loup, on voit sa queue. Notre fille, accompagnée de ce sidéen-là, vient par là. Quand on te parle, tu dois écouter. Mais maman, où ça n'est pas le sida? Ce sont ses parents qui sont morts du sida. Mouma, insolente là, quand ta mère te parle, tu te tais. Ah, les mamans aussi. Espèce d'insolent, tu te tais. Vous allez sortir de ma cour. On t'avait dit de ne plus nous suivre. Quand un homme n'a plus rien, il ne lui reste que de l'espoir. Nous les Amazones, nous vous défions. C'est possible. Ne touche plus à notre ballon. Jamais. Mon ami a rien. Même si ses parents sont morts du sida, il ne peut pas nous transmettre le sida en jouant au ballon. C'est faux. Il est victime du sida. Et il peut nous transmettre à un simple contact. Je suis du même avis que Latif, vous aussi. C'est pas parce que ses parents sont morts du sida que vous refusez, vous le rejetez comme ça. Le sida ne se transmet pas comme ça quand même. Et vraiment, qu'est-ce qu'il le prouve? Qu'est-ce qu'il prouve vraiment qu'il a le sida si vous n'avez pas de preuves? Papa sida, maman sida, donc enfant sida. Amen. Moi, en tant que docteur, je soutiens ce que mes amis ont dit. Il faut d'abord faire le test pour prouver qu'il a le sida. Donc, en jouant au football ou en vous saluant, ayant des contacts, ça ne peut pas vous transmettre le sida. Donc, on peut jouer avec lui. Oui. S'il te plaît, mon ami, viens, vas-y. Excusez. Oui. Oh,